Comme d'autres néorniticiens précoces. Culindadromeus était un organisme bipède coureur. Alors que la plupart des autres dinosaures ornithiciens sont décrits à partir d'os, d'autres matériaux ont été disponibles pour ce genre et ceux-ci ont révélé quelque chose de surprenant. Son corps était recouvert de plumes. Ces plumes semblent l'avoir recouvert de duvet sur la majeure partie du corps, les zones exposées étant la queue et le bas des jambes. Hotnilia n'est peut-être considéré comme un genre de dinosaure valide, puisque tout le bon matériel fossile qui était autrefois étiqueté comme Othnilia a été utilisé pour créer Othnilosaurus et l'holotype le, le aurait pu être juvénile. Les preuves qu'il n'était pas complètement formé incluent sa petite taille, ses arcs neurones ont fusionné, et les extrémités de ses os longs sont spongieuses et incomplètes. Le squelette lui-même fait environ un tiers de la taille d'un spécimen adulte connu. Des individus d'orictodromeux ont été retrouvés enterrés dans les restes d'un terrier. Les squelettes étaient densément imbriqués entre eux et désarticulés, indiquant que les animaux sont morts et se sont décomposés dans le terrier. Ces preuves montrent qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure fouisseur. Avec des côtes et des os des pattes étonnamment épais, Deslosaurus était solidement construit et n'était clairement pas bâti pour la vitesse. Le genre a attiré l'attention des médias en 2000. Lorsqu'un spécimen a été interprété comme ayant un cœur fossilisé. Cependant, de nombreux scientifiques doutent maintenant de l'identification de l'objet. Ipsilophodon avait un régime alimentaire assez simple à base de plantes. Il vivait probablement des plantes indigènes de l'époque qui auraient inclus des conifères et des fougères, mais il a peut-être complété son alimentation avec des insectes. Il avait de longues pattes très flexibles capable de donner à ce dinosaure la vitesse dont il avait besoin pour échapper aux prédateurs et une longue queue qui pouvait être utilisée pour s'équilibrer. Alors que la plupart des images de l'Eelinazora montrent ces dinosaures à la peau de lézard, la vérité est qu'il avait probablement de la fourrure ou une sorte de duvet pour les garder au chaud. Un autre détail qui manque souvent à ces illustrations est que ce dinosaure avait aussi des yeux immenses, ce qui l'aurait aidé à voir durant les longues nuits hivernales caractéristiques des pôles. Cependant, il pourrait être logique qu'il dormait pendant cette longue période pour conserver son énergie. Gasparinizora avait une tête arrondie modérément allongée. Les orbites étaient très grandes et placées assez hautes sur le crâne. Parce que des fossiles ont été découverts à proximité les uns des autres, on pense qu'ils vivaient en troupeau. Certains matériaux ont été trouvés dans les gigantesques empreintes d'Argentinosaurus. Trinizora était un dinosaure ornithopode assez petit qui vivait en Antarctique avant qu'il ne soit recouvert de neige et de glace. On ne peut pas en déduire grand-chose sur son mode de vie en raison du manque de reste plus complet. Une chose intéressante à propos de Mutaburazaurus est que ses dents sont plus adaptées au tranchage qu'au broyage comme chez beaucoup de ses parents. Cela a conduit à la spéculation précoce qu'il aurait pu compléter son alimentation avec de la viande, certainement en tant que charognard. Il passait probablement la plupart de son temps dans une posture quadrupède, prenant une posture bipède pendant la course. La possibilité de basculer entre les postures bipède et quadrupède selon la situation signifiait qu'il pouvait potentiellement parcourir une grande variété de types de plantes. Avec Altirinus, il partage un museau arqué caractéristique, celui-ci peut avoir logé des tissus pour refroidir le sang, conserver l'eau ou améliorer le sens de l'odorat. Alternativement, il peut avoir facilité la communication par la vocalisation ou l'affichage visuel. Tenant au et de loin le vertébré le plus commun de son environnement, sa queue occupe plus de la moitié de la longueur totale de son corps. Cette queue était soutenue par un réseau de tendons solides lui assurant une position rigide bien au-dessus du sol. Leur prolifération laisse penser que ces dinosaures pouvaient se reproduire avant d'avoir atteint leur maturité. Dryosaurus subsistait principalement sur une végétation basse dans des plaines inondables et avait un bec corné et des molaires. La taille adulte maximale de Dryosaurus est difficile à estimer car tous les spécimens connus semblent représenter des animaux qui étaient encore en pleine croissance. Il s'appuyait probablement sur sa vitesse comme principal moyen de défense contre les dinosaures carnivores tels que Ceratosaurus. Quant au était relativement lourd, avec des membres postérieurs robustes et des pieds larges, avec quatre orteils. C'était un brouteur qui se déplaçait de manière quadrupède. Il avait une grande quantité de dents dans la bouche et celles-ci montrent souvent des signes d'usure importante, ce qui suggère qu'il devait beaucoup mâcher pour traiter correctement sa nourriture et se concentrant peut-être sur des plantes trop difficiles à attaquer pour d'autres espèces. L'iguanodon occupe une place importante dans les livres d'histoire des dinosaures, non seulement en raison de la grande quantité de matériaux fossiles qui lui sont attribués, mais aussi parce qu'il s'agit du deuxième dinosaure jamais identifié. Sa pointe au niveau du pouce est l'une de ses caractéristiques les plus connues. Ce pouce est généralement interprété comme une arme semblable à un poignard contre les prédateurs. Les premières reconstructions d'iguanodon le décrivaient comme un animal avec une queue qui traîne au sol, mais on sait maintenant qu'elle était bien droite et portée au-dessus au du sol. Ouranosaurus est connu pour avoir une grande voile sur le dos, on pense qu'elle était utilisée pour garder l'animal au frais pendant les journées chaudes, le sang rafraîchissait quand il circulait à travers la voile. D'autres paléontologues pensent que ce n'était pas du tout le but de cet appendice, qu'elle n'était utilisée par le dinosaure que pour attirer un congénère. Il n'avait pas de dents dans son bec osseux, mais il avait des molaires. Cela aurait permis au dinosaure de broyer une bonne variété de matériel végétal afin qu'il puisse facilement le digérer. Le Probactrosaurus était de constitution légère, avec des bras et des mains relativement longs et minces et seulement une petite pointe de pouce. L'aspect le plus reconnaissable de l'anatomie de l'adrosaur est l'os rostral aplati et étiré latéralement, ce qui donne l'aspect distinct du bec de canard. La position occupée par Bactrosaurus dans le Crétacé est en fait l'un des premiers adrosoroïdes connus, et bien qu'il ne soit pas connu à partir d'un squelette complet, c'est l'une des plus connues de ses formes de prédécesseurs des adrosaures. La taille relativement petite de Telmatosaurus a été expliquée comme un exemple de nanisme insulaire. Un spécimen juvénile porte une grosse tumeur non cancéreuse appelée améloblastome sur sa mâchoire. La découverte d'un améloblastome chez un dinosaure prouve que le développement de tumeurs bénignes est une caractéristique basale. Ficusaurus était exceptionnel en ce que son crâne n'était pas cinétique. Le maxillaire portant les dents serait si fortement fusionné au mandibules qu'un mouvement de mastication latérale aurait été impossible. L'ANZUZAURU a été décrit comme ayant des dents étonnamment énormes, parmi les plus grandes de toutes les créatures herbivores, ce qui indique qu'il s'agissait d'un iguanodonte styracosterna. La mandibule suggère une très grande taille pour l'animal et les dents grandissaient très rapidement. L'holotype d'Adrosaurus a été trouvé dans des sédiments marins, ce qui suggère que le squelette a été transporté par une rivière puis déposé dans la mer du Crétacé. L'une des choses pour lesquelles le genre est célèbre est qu'il a été le premier dinosaure à avoir un squelette monté pour être exposé au public en 1858. La découverte d'Akristavu est paléontologiquement significative car elle soutient la position selon laquelle l'ancêtre de tous les Adrosauridés ne possédait pas d'ornementation crânienne, et que l'ornementation était une adaptation qui est apparue plus tard de manière interdépendante dans les sous-familles Sorolophinae et Lambeosaurinae. Le nom Meazora fait référence à la découverte de nids avec des œufs, des embryons et de jeunes animaux, dans une colonie de nidification. Celles-ci ont montré qu'il nourrissait ses petits pendant qu'il était dans le nid, la première fois qu'une telle preuve était obtenue pour un dinosaure. Des études sur les schémas de stress des os cicatrisés montrent que les jeunes juvéniles de moins de 4 ans marchaient principalement sur deux pattes, passant à un style de marche principalement quadrupède lorsqu'ils grandissaient. Ils semblaient n'avoir aucune défense contre les prédateurs, sauf peut-être leur comportement grégaire. Brachylophosaurus était assez unique parmi les autres adrosaures. Une caractéristique d'identification est la crête plate sur le dessus du crâne, mais il semble y avoir deux versions différentes, certains individus ayant des crêtes beaucoup plus petites que d'autres. Une théorie pour expliquer cela est le dimorphisme sexuel où les mâles avaient vraisemblablement des crêtes plus grandes que les femelles à des fins d'affichage. En raison d'un manque actuel de fossiles pour ce genre, la seule chose que l'on puisse dire avec certitude est que Kerberosaurus était un adrosauridé sorolophine, le groupe d'adrosaurs noté pour avoir des crêtes de tête solides. Ugrunaluk était l'un des adrosaurs vivants les plus septentrionaux que nous connaissons actuellement et avait atteint une taille assez grande. Comme les autres cerolophines, Ugrunaluk n'avait pas de crête osseuse. Cependant, de son vivant, Edmontosaurus avait une excroissance charnue en forme de crête de tissu mou sur sa tête. On ne sait pas si Ugrunaluk avait un dispositif d'affichage similaire. Alors que dans le Crétacé, l'Alaska était plus frais que les latitudes tropicales, il faisait encore beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Les dinosaures prédateurs tels que les troudontes peuvent avoir été un danger particulier pour Ugrunaluk. Chantungosaurus est l'un des plus grands ornitichiens connus, un grand trou près de ses narines peut avoir été recouvert par un lambeau de peau lâche, qui pouvait se gonfler pour émettre des sons significatifs. Il pouvait faire des sons particuliers pour attirer un congénère ou pour éloigner d'autres mâles lors de concours intraspécifiques qui pouvaient avoir lieu entre les mâles concurrents. Edmontosaurus partage la même caractéristique, ce dernier dinosaure était probablement nomade et voyageait peut-être même en grand troupeau pour se protéger des prédateurs époques. De vastes lysosceux sont connus pour Enmontosaurus, et de tels groupements d'adrosauridés sont utilisés pour suggérer qu'il était grégaire. Il était largement répandu dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Sa distribution fossile suggère qu'il préférait les côtes et les plaines côtières. Prosorolophus avait plusieurs méthodes potentielles d'affichage dans un cadre social. La crête faciale osseuse est un candidat évident, et des diverticules nasaux peuvent également avoir été présents. Ces diverticules postulés auraient pris la forme de sacs gonflables de tissu mou logés dans les excavations profondes flanquant la crête et des trous allongés pour les narines. Ces sacs pouvaient être utilisés à la fois pour les signaux visuels et auditifs. Griposaurus est similaire à Critosaurus, et pendant de nombreuses années, les deux ont été considérés comme des synonymes. Il est connu par de nombreux crânes. Certains squelettes et même certaines empreintes cutanées qui montrent qu'il avait des écailles pyramidales se projetant le long de la ligne médiane du dos. Il se distingue plus facilement des autres becs de canard par sa bosse nasale étroite et arquée, parfois décrite comme semblable à un nez romain, et qui peut avoir été utilisée pour l'identification des espèces ou du sexe. Nipponosaurus est classé comme un adrosauridé lambeosaurine en raison de la crête creuse de la tête qui s'élève du haut du museau. Tsintaosaurus n'est en fait pas connu de beaucoup d'individus. La popularité de Tsintaosaurus est due à la crête pointant vers l'avant qui orne le sommet du crâne. Il y avait une spéculation répandue selon laquelle cette crête était simplement un produit du processus de fossilisation, et que l'os qui composait la crête provenait en fait d'ailleurs. Parasaurolophus était un grand herbivore quadrupède. Mangeant des plantes avec un crâne sophistiqué qui lui permettait un mouvement de broyage analogue à la mastication. Ses dents étaient continuellement remplacées. Elles étaient emballées dans des batteries dentaires contenant des centaines de dents. De nombreuses hypothèses ont été avancées quant aux fonctions exercées par la crête crânienne de Parasaurolophus, mais la plupart ont été discréditées. On pense maintenant qu'elle aurait pu avoir plusieurs fonctions affichage visuel pour identifier l'espèce et le sexe, amplification du son pour la communication et thermorégulation. Charonosaurus de Chine, qui était peut-être son parent le plus proche, avait un crâne similaire et potentiellement une crête similaire. Les Lambéosaurines ont des becs plus étroits que les Adrosaurines, ce qui implique que Charonosaurus et ses proches pouvaient se nourrir de manière plus sélective que leurs homologues à large bec et sans crête. Mmh. Lambéosaurus avait une crête distinctive sur le dessus de sa tête. Sa cavité nasale retraversait cette crête, la rendant principalement creuse. De nombreuses suggestions ont été faites sur les fonctions de la crête, y compris le logement des glandes salines, l'amélioration de l'odorat ou la fonction de chambre de résonance pour émettre des sons. Il était assez similaire à Corytosaurus en beaucoup de points sauf sur la forme de la parure de tête. La crête de Corytosaurus ressemble à la crête du casoar. Un spécimen a été conservé avec son dernier repas dans sa cage thoracique. À l'intérieur se trouvaient des restes d'aiguilles de conifères. La découverte de marques de dents dans le péronée d'un spécimen d'Hypacrosaurus infligé par une morsure des dents d'un tyrannosauridé a indiqué que celui-ci, et d'autres adrosauridés, étaient soit la proie, soit récupérés par de grands théropodes. Contrairement à la situation en Amérique du Nord, où les lambéosorines sont pratiquement absentes des roches du Maastrichtien supérieur, les lambéosorines asiatiques comme Olorotitan sont diverses et communes à la fin du Mésozoïque, suggérant des différences climatiques ou écologiques.